إن آخر أكد محافظ بنك الجزائر رستم فاضلي بخصوص رقمنة التعاملات البنكية أن كل القوانين وكذا الأرضيات متوفرة وتسير بشكل جيد في هذا المجال. الزميل أحمد راشدي رصد لنا التالي. Les plateformes existent, les textes existent. Maintenant, l'approche commerciale de l'offre commerciale du banking, ça dépendra des banques. Il n'y a aucune restriction réglementaire à ce que les banques aillent vers le client. Et même concernant l'offre globale, on a autorisé, dans le cadre de l'inclusion financière, on a autorisé déjà l'Islamic Banking l'année passée, ça fait 2 ans. L'année passée, on a autorisé pas moins d'une vingtaine de produits digitaux pour les exportateurs, les start-up qui exportent des services via Internet ou bien les assurances ici. Même les cartes corporate internationales sont autorisées et fonctionnent bien, acceptantes aussi. Ça veut dire qu'un étranger peut payer sur une carte d'un corporate algérien. من جهة أخرى أكد فاضلي أن بنك الجزائر يستثمر جزءا من احتياطي الصرف لديه بالعملة الصينية نظرا لعائداتها الكبيرة، مشيرا أنه يمكن استغلال هذا في تفادي تأثير الأزمة الأوكرانية وتجميد نظام سويفت على التصدير نحو روسيا. Je vous le dis, c'est pas un scoop. Parmi les réserves de change de la banque d'Algérie, on a beaucoup investi dans la monnaie chinoise. D'accord. Parce que le rendement est élevé. Et parce qu'on a, c'est notre premier partenaire en import au niveau international. Donc ça peut se faire. Je ne sais pas si les entreprises. Ça peut se faire, mais le passage de la Chine vers la Russie, ce sera impossible aussi. D'accord. Bon, on dit que la Russie va se connecter parce que la Chine a son propre système équivalent à SWIFT. Il n'est pas international, mais ils peuvent se connecter pour si les Russes accepteraient la monnaie chinoise aussi. Donc pour le moment, les opérateurs n'ont pas le choix, ils doivent attendre. Il n'y a pas de visibilité encore, on ne peut pas se prononcer.